Salut à tous, allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler du Thrustmaster TPR, le palonnier pendulaire. Alors, tout de suite que les choses soient claires, non, on ne me l'a pas offert. Je l'ai payé, je l'ai acheté avec mes propres deniers. Donc, voilà, c'est ce que j'en pense perso, après quelques heures de vol dessus. Voilà. Après, je ne dirais pas que c'est le meilleur ou pas ou machin. Non, il y a d'autres palonniers de chez VKB ou Virpil qui font très très bien le taf, puisque j'ai discuté avec quelques personnes qui en ont, et ça fait tout aussi bien le taf. Mais en l'occurrence, moi, je me suis pris le TPR. Donc le TPR, eh bien, joli, hein, c'est une belle bestiole. Il hein. Faut savoir que, hop, on va aller voir un petit peu de photos, et après je vous montrerai un petit peu de vidéos tout léger. Faut savoir que voilà, hein, le socle, ici, ça fait 37 cm quand même. Hein. C'est du bon bébé, ça pèse 7 kg. C'est du massif, hein, d'accord? C'est vraiment, 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 vraiment de la bestiole massive. Et très intéressant. Je veux dire, il tient bien au sol. Pour moi, il ne bouge pas. Hein, alors, j'ai pas de la moquette, évidemment, mais il ne bouge pas au sol. Hein. Ouais, j'ai voulu pousser fort dessus, c'est mon fauteuil à roulettes qui a reculé, hein, donc vous voyez bien que voilà quoi. Donc après, hein, bon, bah, il nous explique un petit peu ce que c'est que la technologie pendulaire, hein, c'est le mécanisme suspendu, voilà, qui offre des mouvements souples et fluides. Hein, bon, bah, ça y vont de leur sauce, ça, on est bien d'accord, comme d'habitude, hein, ça c'est. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler les différentes position que l'on veut, mais également la dureté. On va aller voir directement, petite vidéo, hein, et je vais vous le mettre dessus. Allez, on va voir ça. Donc là, on peut déjà voir les deux bras hein, qui servent pour le pendulaire, et puis ici, les deux ressorts qui vont vous servir à régler la dureté suivant où est-ce que vous les placez, en bas, en haut, ou vous n'en mettiez qu'un seul. Vous voyez, c'est du beau bébé, hein, y a du branchement partout là. On va aller voir les placements. Voilà, ici on voit le placement pour les vis. Voilà, on peut régler déjà la hausse hein, si on veut se mettre les pieds plus à plat ou plus droit. Hein, d'accord, donc on a déjà ces premières vis à régler. Donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal de positions. Hein. Et on va aller voir, il y a d'autres petites vis à régler. Voilà, en dessous des pédales, ici. Voilà, également on va pouvoir régler au niveau des pédales. Allez, on va voir la bestiole en jeu, voir ce qu'elle donne en Mi-24 sans le PAIO. On est parti. Voilà, donc là on se retrouve dans l'hélicoptère. Je vais vous montrer qu'on n'utilise pas le PAIO. Il y a la petite image avec mes pieds sur le palmier. Hein. Là on voit bien, je n'utilise pas le PAIO. Donc on va décoller comme ça, on va voler sans, on va atterrir sans. Parce que le PAIO, en fait, si j'enlève mes pieds au décollage, eh ben, l'hélico va pas partir de travers puisque c'est le PA qui va gérer en fait ce yo. Allez, on va pousser tranquillement les gaz et puis ben, vous voyez hein, au niveau de mes pieds, vous allez les voir bouger. Donc vers l'avant, lorsque j'appuie sur là j'appuie hein, sur le pendulaire, mais lorsque j'appuie sur les pédales, en fait, c'est les freins. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Alors, petit truc, c'est qu'on a tendance quand on pousse. Alors, je ne sais pas si c'est que dû à moi, mais j'ai tendance à appuyer sur les pédales et donc à mettre des freins. Ce qui, dans le Mi-24, bah, enlève en fait le frein de parc, comme on le voit clignoter là-haut. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est tout à fait stable. Et j'ai pu m'apercevoir hier qu'en plus de ça, ce n'est pas fatigant. J'avais un précédent palonnier qui était le TFRP aussi de Thrustmaster. Et c'est vrai qu'au bout de une heure et demie de mission en hélicoptère, j'étais assez fatigué, enfin, j'avais les jambes qui piquaient un petit peu, parce que voilà, pas très très confortable à ce niveau-là. Alors qu'hier, eh bien, après une heure et demie d'entraînement, eh ben, nickel, j'avais pas mal aux cuisses, rien, la position était la bonne, j'ai bien fait mes réglages, donc j'étais bien pour voler. Alors il est évident qu'en avion, un palonnier est vraiment moins important, voire pas du tout indispensable puisqu'on ne s'en sert que très très peu à part au roulage et puis des petites corrections, mais c'est vraiment minime, alors qu'en hélicoptère c'est vraiment assez primordial. Voilà, il y en a qui arrivent à piloter sans, mais lorsque vous avez un palonnier, c'est vraiment le jour et la nuit.
surtout lorsque vous arrivez à basse vitesse où l'hélicoptère a tendance à tourner d'un côté ou de l'autre suivant l'hélicoptère, eh bien vos stationnaires n'en sont que meilleurs. C'est vraiment voilà. Et il est très précis, très précis dans ses manœuvres. J'ai pas besoin de pousser énormément pour pouvoir faire quelque chose à l'hélico. C'est vraiment très intéressant. Je l'ai également mis en faute. Hein. Vous résistez le trim et puis après vous poussez les gaz à fond. L'hélicoptère il va partir dans tous les sens. Donc en général vers la gauche. Hein. Et en fait, eh bien, un grand coup de palonnier à droite. Et c'est bon. Hein, l'hélico se restabilise. Donc c'est. Voilà. Moi je le trouve très, très sympa. Très cool à utiliser. On va voir un petit atterrissage que vous puissiez voir un peu le vol à très basse vitesse. Là, on utilise pas mal le palonnier. Allez, on est parti. Donc voilà, on se retrouve à basse vitesse. Hein, on est à presque 100 km/h. Et c'est là où va commencer à être utile le palonnier, hein, justement, de pouvoir être précis sur le palonnier. Hier, on a fait un training avec la VEEF, un training MI-24. Et je me suis rendu compte que vraiment... J'étais vraiment précis, j'avais pas besoin de pousser bien fort et puis la stabilité au niveau des jambes était bonne pour pouvoir tenir un stationnaire pendant que les autres attaquaient. Et même les mini corrections que j'avais à faire pour me réaligner avec ce que visait Petrovic étaient vraiment très intéressantes. Maintenant, le cap supérieur va être avec un opérateur humain où là je vais pouvoir le tester pour la stabilité hein, justement de l'appareil puisque il aura besoin de stabilité pour pouvoir tirer son missile air-sol. Et vraiment, voilà, j'aime bien. Alors, oui, vous allez me dire, ça coûte 500 euros. On est d'accord, oui, bah, j'ai craqué le PEL, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je vous le présente, je ne vous dis pas qu'il est meilleur qu'un autre. Je vous le présente, je vous dis juste mes impressions que j'en ai, ce que j'en pense, après quelques heures de vol, puisque j'ai que quelques heures. Donc impression à froid hein, puisque c'était hier. Donc voilà, vous voyez, on pousse très peu, c'est très intéressant. Voilà, par contre il prend beaucoup de place, on est d'accord. Là donc là on est proche de l'atterrissage, là où on a le plus besoin de palonnier, hein, c'est à faible vitesse. Vraiment très intéressant. Moi j'aime bien, hein, effectivement j'ai craqué le PEL. Bah oui. Voilà, que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un petit pouce. Hein, voilà, mais arrêtez de vous énerver dans les commentaires. Oui, c'est cher. Oui, il y a sans doute autre chose qui est aussi bien moins cher. Oui, voilà. Mais je me fais plaisir, j'ai le droit. Et voilà, et puis voilà, c'est tout. Allez, je vous dis à bientôt les copines. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aider la chaîne pour que je m'achète un palonnier... VKB pour que je vous en fasse le test, n'hésitez pas, lâchez les billets, hein, tout ça. Non, je déconne, bien sûr. Si vous voulez aider la chaîne pour les petits concours, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Salut, salut.